Salut Cérou, très heureux de vous retrouver pour un nouveau test. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un petit ampli guitare, c'est le Faisley Kubo 15 BBT. Est-ce le bon ampli pour vous? Quelles sont ses spécifications et quel type de sonorité on peut obtenir avec? C'est parti. Il s'agit donc d'un ampli transistor modélisation d'une puissance maximum de 15 watts avec des effets intégrés et différents types de gains et de saturation qui sont réglables. C'est un petit ampli, c'est un ampli qui est portable. Vous allez pouvoir le recharger à l'aide d'un câble USB. Donc il n'y a pas de pile, vous le branchez directement au secteur et il sera chargé. Ce petit ampli est tout à fait dans la lignée des mini-amplis que l'on voit apparaître depuis quelques années. Ce sont des amplis en fait qui résolvent beaucoup de nos soucis, nous les guitaristes, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir un bon son, mais on ne peut pas le mettre trop fort. Donc un petit peu dans l'esprit du Boss Katana Mini ou du Roland Microcube, vous allez avoir un petit appareil compact qui va vous proposer un maximum de sonorités différentes, et ceci donc avec la meilleure qualité possible pour sa taille. Nous avons donc en façade deux petits speakers de 3 pouces, un panneau de réglage et c'est à l'arrière que vous allez brancher votre guitare. Vous allez voir, c'est très très pratique. Vous avez également une line out et puis vous avez une fonction Bluetooth, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous servir de cet appareil comme une enceinte Bluetooth. Votre instrument va être branché depuis la façade arrière. Vous avez une line out, donc ça va être une sortie si vous voulez brancher directement dans une table de mixage ou dans une interface audio. Ensuite, vous avez une fonction Bluetooth où là, vous allez régler en fait le volume de réception de votre émetteur Bluetooth. Et ensuite, donc la recharge se trouve ici. Donc là, on l'éteint. Et voici comment vous allez le brancher. Donc vous allez à la fois le charger ou alors jouer simplement branché. Les différents réglages sont répartis de manière très intuitive sur la façade de contrôle. Vous avez en premier le master et le gain. Le master, ça va être votre volume général. Donc celui-là, vous allez le surveiller parce que si vous le mettez trop fort, là, vous allez voir, il va y avoir du son qui va sortir. Le gain, c'est cette espèce de saturation que vous obtenez quand vous poussez un ampli. Donc c'est une distorsion, enfin une overdrive naturelle. Mais de toute façon, ce gain, eh bien, va correspondre au niveau de saturation que vous désirez dans chacun de ces petites distorsions ou overdrive de modulation. Donc vous aurez ici un son acoustique, ensuite un son clean, un son un petit peu crunch, un son avec une overdrive un peu plus prononcée, et plus vous montez, plus vous allez dans la distorsion, plus vous allez dans les sonorités heavy metal et metal. Thank you.
Ensuite, vous avez les basses et les trebles. Donc, très, très simple. Vous pouvez régler comme vous le désirez. Il n'y a pas besoin de savoir faire fonctionner une table de mixage. Vous allez tout de suite vous trouver un son. Vous tournez les potentiomètres dans le sens qui vous intéresse. Vous allez voir ce que ça donne par rapport à votre guitare, par rapport au type de micro que vous utilisez. Peut-être qu'il y a certains réglages qui vont fonctionner mieux avec votre instrument. Et ensuite, la fonction multi-effet, celle-là, elle est très bien faite. Là encore, très intuitive. Vous avez déjà le type d'effet que vous désirez. On les a répartis avec les sons qui se répètent, comme l'écho, le delay et la reverb. Donc là, vous allez devoir choisir entre un certain dosage, puisque vous avez une petite compteur en fait de dosage de l'effet par lui-même, et ensuite son niveau de sortie, c'est-à-dire que par rapport au style que vous allez jouer, peut-être qu'il va vous falloir un effet très très prononcé, ou alors vous allez vouloir un effet au contraire qui va juste un petit peu colorer votre son pour que ça sonne pas trop sec. Idem, là ici on a les effets habituel, le chorus, le flanger, le phaser et le tremolo. Donc vous allez choisir le montant, l'intensité de l'effet et ensuite le dosage dans le mix, donc AX, ce petit potentiomètre, les vols. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre style et quel que soit votre intérêt pour la musique, vous allez trouver ce petit ampli intéressant et vous allez trouver ça avantageux d'en posséder un. Si vous jouez en groupe, vous allez pouvoir laisser votre gros ampli dans le local de répétition et chez vous, vous allez avoir quelque chose, vous allez avoir tous vos sons. Donc même la valise avec les pédales d'effet, vous pouvez la laisser au local de répétition. Si vous êtes un débutant et que vous ne savez pas quel ampli acheter, eh bien celui-là, voilà, c'est très très bien, vous allez pouvoir vous exercer et vous allez pouvoir apprendre un petit peu ces effets qui sont un peu mystérieux, le phaser, le tremolo, tous ces trucs-là, on ne sait pas ce que ça fait. Là, vous avez un bouton et tout de suite, vous allez savoir un petit peu la couleur sonore que ces effets produisent. Pour un musicien qui travaille plutôt en studio, ce qui est mon cas, eh bien cet ampli, il est très pratique puisque immédiatement on a un son. Éventuellement, je peux brancher mes élèves guitare dans cet ampli et on reste à un volume raisonnable et le son est très agréable. C'est donc possiblement l'ampli qu'il vous faut et si c'est le cas, eh bien vous ouvrez la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers la boutique Bass Shop et vous pourrez vous le commander pour des heures interminables de jam. Alors, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner à la chaîne de Bax Music. J'allais oublier, vous savez qu'il y a plein de tests de guitares, d'ampli, dont certains par votre serviteur. Donc, ne les ratez pas parce que vous savez, des fois, on fait des découvertes comme ça, peut-être une guitare qu'on n'avait pas remarquée. Eh bien là, bam, on se rend compte que voilà, c'est celle-là qu'il me faut. Donc voilà, je vous attends pour un prochain test vidéo. À très bientôt. Bye bye.